Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous reviens avec un vlog qui va être combiné sur 2 jours probablement. Donc je m'en vais à Carleton-sur-Mer pour un anniversaire de mariage de ma tante. Donc voilà! Puis il va y avoir plein de ma famille. Donc c'est ça, je sais pas ce que mon vlog va donner. Là, je vais essayer de filmer des petits bouts. Mais voilà, là mes parents, ben non, c'est pas vrai. Mon frère et ma mère sont partis en motorisé, ils vont pogner mes grands-parents en passant à Cozart. Je vous parle comme si vous connaissez la place, là, mais en tout cas, pour ceux qui connaissent. Après ça, moi j'ai un énorme Jeep genre de cette place. Fait que j'ai décidé que j'allais monter avec ça là. J'avais le choix entre mon char, le char de ma mère, le char de mon frère ou le Jeep, puis j'ai pris le plus gros. C'est tellement le fun de se promener en gros Jeep. En tout cas. Fait que c'est ça parce que mon père, il était à cette île. Fait qu'il prend le bateau puis tout ça. Fait qu'il arrive comme... Tu sais, c'est moi qui vais faire son livre jusqu'à Carleton... pour qu'ils peuvent venir, parce qu'on a souper comme à 4h, fait que je sais pas à quelle heure qu'on va arriver. Il va probablement arriver vers 1h30, 2h, puis ça prend 2h y aller. Fait que voilà, là il est rendu, il est 11h37, puis j'ai rien mangé, j'ai rien bu, j'ai tellement la gorge sèche là. Fait que je vais aller au petit Porton, là, me chercher quelque chose. Les dîners ça arrête à quelle heure? Je pense ça arrête... Non, les déjeuners je pense ça arrête 11h. Fuck. Oh non! En tout cas, je vais aller voir. C'est sûr, je vais me prendre quelque chose à boire. Fait que, on s'en parle plus tard. J'ai été me chercher un petit clé ballet team. Ça va être bon. Je vais essayer de manger sans chauffeur. Puis, évidemment, un capou. Yay! Yeah. Il est boxé pour pousser loin et pas. C'est où qu'il y a plein? Je sur Instagram, elle m'a dit que j'étais proche de chez eux. Salut! Je savais pas son nom. Allô tout le monde, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, j'imagine. Mais c'est ça, on est au fort, on est en train de prendre des photos. Et que c'est ça, j'ai hâte de voir les résultats. C'était très improvisé notre chose, mais voilà, je suis à Carleton, c'est super beau. Pour la face de bout. Montre le Snapchat. Montre le Snapchat. Christmas mamas! Et lui fait shooting! Oh yeah! En train de vlogger, en train de se faire poser, écoute! Ça a pas de bon sens! Ça a pas de bon sens! Il me prend en photo en train de vlogger! Vous allez voir son live, gang! Enfin avec la suite de mon vlog et le résultat de la gagnante parce que
j'avais dit que j'allais l'annoncer dans mon vlog. Puis ces derniers temps, pour vrai, depuis que l'école a commencé, j'ai pas refilmé de vidéo. Je vais à l'école, puis le soir je travaille, je sors de la job, soit 8h ou 9h, ça dépend des jours. Puis c'est ça, je trouve pas le temps, puis les fins de semaine, comme là j'étais passé une fin de semaine dans le bois, j'ai à décrocher, là, pour vrai. Puis tu sais, je reçois tellement de commentaires, là, c'est incroyable. Premièrement, merci pour toute la participation que j'ai eue, c'est incroyable, là. Il y a plus de 4000 commentaires. Au début, quand j'ai posté la vidéo, ça commençait, je répondais à tout le monde, je disais bonne chance à tout le monde. Puis j'ai juste perdu le fil, là. Pour vrai, je pensais pas que ça allait faire aussi un gros impact. Donc voilà, j'aurais aimé ça tout vous faire gagner, évidemment. La gagnante, elle a déjà été contactée, donc c'est Charlotte Huet. Je l'ai annoncé sur mon Instagram, mais pour vrai, là, genre, à un moment donné, je sentais que c'était quasiment de l'harcèlement, là, tellement que, genre, à tous les jours, j'avais du monde qui me disait c'est qui la gagnante, c'est qui la gagnante, c'est qui la gagnante. Puis j'ai aussi écrit dans les barres d'infos de la vidéo parce que je recevais encore des commentaires sur ma vidéo. Fait que c'est ça. C'est sûr, je vais refaire des concours pis tout ça, mais incroyable comment j'ai des commentaires comme en privé, soit sur Instagram surtout, là. Je veux que tu me fasses gagner. Tu sais, c'est pas moi là, qui choisis la gagnante, c'est le hasard. C'est ça que vous avez pas l'air de comprendre. Je dirais pas genre elle m'a dit qu'elle avait pas beaucoup d'argent pour cette session. Je vais la faire gagner. Non, c'est pas comme ça que ça marche là. Tu sais, oui, j'aimerais bien ça vous faire gagner, mais c'est le hasard. Donc voilà. Puis j'ai peut-être décidé de faire comme un petit concours à presque chaque vidéo que je vais faire, que ce soit un rouge à lèvres ou un produit maquillage ou des choses comme n'importe quoi. Un produit que j'aime bien. Puis. Désolée, je joue avec mes clés. Puis j'ai aussi pensé que quand ça va être une gagnante d'un autre pays que le Canada, je pourrais vous inclure comme une friandise qu'il n'y a pas dans votre pays que, de votre choix. Qu'on décidera ensemble une fois que je vous aurai annoncé que vous avez gagné. Donc je crois que ça pourrait être le fun. Ça rajouterait un petit quelque chose. C'est ça. Donc je sais pas si je vais vraiment faire ça à toutes les vidéos. Mais voilà. Puis, je sais pas quoi d'autre ajouter, là. Le concours pour lui de mon bureau, je vais le faire un peu plus tard parce que pour vrai, le shipping m'a quand même coûté assez cher pour envoyer le sac à dos. Fait que je vais attendre un petit peu pour faire l'autre. Puis en même temps, si vous avez pas participé, vous avez encore la chance d'aller participer. Je sais pas encore la date quand je vais le faire, mais voilà. Puis là, je crève dans mon auto. Je vais aller me chercher un petit capot. Checker ça, c'est une balancine. C'est tellement pas poussable, là. C'est dur là. Mais c'est ça. On a ça dans ma ville. Je sais pas trop à quoi ça sert là, pour de vrai. Mais c'est ça. Bon, dehors il fait 29, c'est encore pire que tantôt. Fait que là, il est 1h40. Je vais aller me chercher mon capot. Puis checker ça, ok? J'aimerais ça faire une vidéo comme. Je vais enlever le petit écran, mais je vais arrêter de me regarder. Une vidéo dans le style comment économiser pis tout, parce que je pense que je suis quand même pas pire là, là-dedans. Puis il y en a une, ça serait une session de cellulaire. Comme justement aujourd'hui on est le 7 septembre. Et j'ai l'impression que je shake tellement. On est le 7 septembre puis... Oh, il y a des petites madames là. Puis il me semble que ceux qui allaient comme... qui vont acheter le iPhone 7 aujourd'hui, on peut s'entendre qu'ils vont payer tellement dans le vide pour rien, tellement cher. Là. Je sais même pas le prix, là, je veux pas le savoir non plus. Mais c'est ça. Moi, je fais tout le temps partie de la génération 2-3 ans après. Là. Comme il y a une semaine, j'avais mon 4S pour tout vous dire. Puis on est rendu au iPhone 7 là. Mais c'est ça. Puis pour vrai, là, jamais je vais me ruminer en m'achetant un cellulaire. La seule affaire que j'ai faite, c'est que je me suis acheté un iPhone 5C, puis je l'ai pété après une semaine, puis ben je l'avais payé 70, mais tu sais, la fille sur ma avant, elle avait fait manger à vie dure, puis j'ai juste mal acheté, là. Mais je pouvais pas le savoir. Sauf que là, j'ai vu, moi j'achète tout le temps sur Facebook, c'est comme un groupe où tout le monde vend autour de, comme... dans le coin de Rimouski pis tout ça, il y a vraiment beaucoup de monde qui vendent plein de choses. Là, j'ai acheté des fois, j'achète du linge là-dessus, c'est des beaux morceaux. Puis comme tantôt, justement, j'ai vendu une chemise de jeans puis un chandail à une fille est venue chercher. Tu sais, c'est comme... c'est pratique pour vrai. Puis là, je vois un gars qui met iPhone 5S or
75$. Fait que là, je vais y écrire tout de suite. Fait que là, je le regarde, moi, là, nanana, pis tout. Fait que là, je dis à mon frère, pis il est comme, non, non, il dit, ça se peut pas, là, il dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose, pis tout. Pis là, j'ai dit, ouais, le gars, il m'a dit qu'il avait la vitre cassée. Fait que, tu sais, changer une vitre, c'est quand même cher, mais moi, mon frère, il change, fait que je me suis dit, c'est correct. Fait que là, je demande au gars, il dit, non, non, il dit, c'est juste parce qu'on change pour un 6, fait que il marche super bien, jamais de trouble. Fait que ça reste comme ça. Le soir même, je vais le chercher. C'était comme 1 heure de chez nous, fait que je vais le chercher. J'arrive là, puis c'est comme tout le contour de l'écran était comme... C'était comme noirci, puis tout comme collant. Puis il y avait une petite craque dans la vitre, mais pas tant. Fait que... Mais tu sais, il marche super bien. Fait que là, j'arrive chez nous. Puis là, j'étais avec mon ami, Jason, qui va écouter la vidéo. Ah, là, salut la moine! La moine, oh la moine! Elle est venue se poser sur mon capot de char. Fait qu'il arrive chez nous, puis là, il check mon ciel comme faut. Il dit, parce que c'est une écran protectrice, là. Tu sais, une écran que si t'échappes ton ciel, l'écran-là va casser avant que ta vraie écran va casser. Fait qu'on a décollé ça, là, pour ouvrir l'écran. Elle a aucune graphine. Probablement que le gars, je savais même pas quand il a acheté le ciel. Fait que mon ciel, il est neuf, il a aucune graphine. C'est un 16G. Fait que je l'ai payé 75$, gang. À quoi ça sert de payer, genre, tellement cher? En plus, j'ai même demandé au gars, j'ai dit, c'est-tu vraiment 75 ou 175? Oh, Seigneur. Fait que, c'est ça. C'est de même qu'on fait de l'argent, les amis. Non, mais tu sais, pour vrai, genre, tu sais, sur Facebook, il y en a tellement, là, comme à 200, 300 encore qui se vendent. Fait que, c'est sûr que c'est une lock, là. Mais voilà. Donc, là, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Tantôt, je vais aller chez moi, je vais... Que je voulais dire. Alors, je vais faire le ménage mon garde-robe parce que j'ai tellement de linge, ça va de bon sens. Puis mon frère est parti en appart. Fait qu'il a tout vidé sa chambre. Fait que je vais me servir de ses tiroirs. Puis de son garde-robe pour mettre comme mon linge d'été. Puis dans ma chambre, mon linge d'hiver ou un ou l'autre. Là. Fait que c'est ça. Puis là, je filme avec ma T3i. J'ai vraiment de la misère. C'est tellement lourd. Mais je veux faire le Vlogmas. Mais je sais pas. Ça me tente pas de dépenser encore pour une caméra de vlog. Puis j'en ai une petite, mais pour vrai, la qualité, je l'aime pas. Là. Puis ça, la qualité est quand même bonne. Surtout que là, j'ai l'écran, j'ai une 17-85mm. Je suis en train de checker une 67mm. En tout cas, mon frère m'a laissé son objectif. Parce qu'il l'a pris, puis il l'a laissé après. Fait que je l'ai laissé. Mais d'habitude, je mets mon... Je mets le Kodak là, je la cote. Mais là, avec la caméra là, il est trop long l'objectif. Fait que c'est ça. Regardez, j'ai une petite boule rose. Et mon caca, ça me fait penser à tellement môme. Mais ça fait longtemps que je l'ai, là. J'ai acheté mon char et je l'avais. Fait que c'est ça, là. Excusez-moi, pardon. Je sais pas quoi dire. Ça fait tellement longtemps que je suis pas vloguée, là. Ça fait du bien de vous parler. Oh, puis, hey, pour vrai, j'avais oublié de parler de ça. Avant que je fasse mes vidéos de Back to School, on était à, mettons, 3200 personnes sur ma chaîne. Et nous sommes 7300. 7300, genre c'est fou là, je montais comme de 1000 abonnés par jour, je capotais, ça fait tellement du bien là, que enfin ma chaîne débloque, vous pouvez même pas savoir à quel point, et je suis entourée de mouettes, pour moi je pue, mais en tout cas, c'est ça, non ça c'est une mouche à marde, pour moi j'ai de la bouffe dans mon char, en tout cas, fait que c'est ça, je vous remercie 7000 fois, c'est là, c'est fou hein? C'est tellement trop de personnes en même temps. Mais ça fait du bien pour vrai, c'est encourageant là. Ça fait du bien, c'est tout. Merci. Puis là, je veux parler de quelque chose de triste. Bob Bissonnette. Peut-être que les Françaises, vous savez pas c'est qui, c'est un chanteur. Il était venu dans un bar par chez nous. Puis mon frère, vu qu'il travaille avec Énergie, il avait reçu comme des passes VIP. Puis j'avais une passe VIP Bob Bissonnette. Puis je l'ai gardé heureusement. Il est mort dans un écrasement d'avion. C'est fou comment on s'entend pas à ça, genre. En tout cas, ça fait vraiment pitié. Donc, c'est ça. Rip Bob. Je viens d'écouter ce que j'ai filmé, puis mon dieu que mes lèvres font pitié. Hey, ils sont tellement secs, là. Ils saignent tout le temps pour rien. Puis là, vous pouvez peut-être voir ici. Voyons. Seigneur, hein, je suis... C'est parce que l'écran est comme contourné. J'ai un nouveau piercing que je vais vous parler dans une vidéo.
C'est assez rare, je crois. J'avais jamais vu ça avant. Fait que c'est ça. Puis, je vais dire d'autres choses. Ah oui, mes cheveux, j'ai une méchante repousse. Hein? Ça paraît encore plus en vidéo, me semble. Fait que je pense que je vais me refaire mettre du blond. Là. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça. Parce que. Mais ils s'en viennent quand même long, là. En plus. Je suis en One Piece aujourd'hui. Doudou. Puis j'ai ma veste de jeans. Mais elle faisait beaucoup trop chaud. Fait que c'est ça. J'aimerais ça peut-être m'en remettre du blond, là. Mais. Ça brise mes cheveux. Donc. Voilà. Je pense que j'allais faire une petite marche dans le sentier. Une madame qui me regarde. J'espère qu'elle pense pas que je la pose. Bon, donc je m'en vais chez moi, mais avant j'ai fait des petites commissions. Je vais vous montrer ça. C'était au Dollarama. J'ai tellement d'affaires à 4$. Fait que je me suis acheté ça, c'est vraiment pratique. Là. C'est pour mettre les fer plats quand ils sont encore chauds. Et c'est une grande pochette. Fait que souvent on s'aplatit les cheveux, puis après ça, tu vas la mettre dans ta valise ou tu sais, tu peux pas. Puis il y a une autre petite pochette comme ça. Fait que c'est bien pratique. C'était 1,50$. Puis. Un paquet de gomme. Voilà. Puis j'ai été chez Brunet. Ils ont comme une collection chevreuil. Je trippe tellement chevreuil. Fait qu'il y avait une petite tasse comme ça. Je vais vous la sortir. Elle était 2,49$ là, pour vrai. Elle a vraiment d'allure. Fait que comme ça. Elle est vraiment cute. Fait que évidemment, je l'ai acheté. Fait que là, je m'en vais chez nous. Je m'en dure plus. C'est tellement humide. C'est dégueulasse. Et mon capuchon est suspendu. J'ai acheté le cappuccino en bouteille, puis pour vrai, c'est tellement pas la même affaire. Ça goûte genre ça. Tu sais, quand un cappuccino est fondu, moi j'aime pas ça. Fait que c'est pour ça que déjà là, je pensais pas l'aimer. Tu sais, c'est bon, mais ça vaut pas un cappuccino. Là. Quant à ça, j'aime mieux aller au Tim Hortons direct. Mais comme je n'en portais un dans le bois, puis ça dépend. Si vous êtes vraiment accro comme, au café comme moi, ça peut dépanner. Voilà. Mais ils disent que, d'essayer avec. Si vous trouvez ça trop sucré, de mettre du lait, c'est bon. Ou de la glace. Fait que la prochaine fois, je pense que je vais en racheter un. Puis je vais essayer avec full de glace. Là, parce que là, il était pratiquement pas gelé. Là, parce qu'on avait pas de frigidaire. Fait que c'est ça. Hey, je suis vraiment en train de cuire dans mon auto. Fait que. Je sais pas si je vais vous reparler sûrement. Je vais vous montrer mon ménage. Donc, à tantôt. Voilà, ma bonne action pour aujourd'hui est faite. J'ai ramassé les caca qui puent. Puis elle qui venait de faire, je vous le jure, a pu. Oh! Je vais aller switcher le sac à la poubelle. J'essaie de tout faire sans une main, c'est pas facile. Oh! Est-ce qu'elle pue la gueule, la poubelle? Oh! C'est dans ce temps-là que tu voudrais pas d'odorat. C'est dégueulasse. Bon. C'est fini. Bon, donc je vais mettre fin au vlog tout de suite parce que je vais aller l'éditer pour enfin le mettre en ligne. Parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui attendent ça. Donc, je t'ai soufflé, je viens d'aller fermer ma vitre de char. Il fait des orages. Fait que c'est ça. Je vais finir d'éditer ça, je vais le mettre en ligne ce soir. Donc, voilà. Fait que oubliez pas de mettre un thumbs up si vous voulez comme des concours à presque chaque vidéo. Puis si vous voulez que je fasse le vlogmas, au pire écrivez-moi là en commentaire. Puis des idées de vidéos aussi. Donc voilà, je vous aime beaucoup et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!